Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Amaya Ismendi, j'ai 19 ans, je suis à la Chambre des métiers de Bayonne. Alors, je suis en brevet professionnel deuxième année. J'ai eu mon CAP en alternance aussi. Alors, c'était pour vous parler un peu comment je gérais mes cours en ce moment de confinement. Donc, moi, au niveau des cours, le matin, je me lève comme si j'allais en cours finalement. Et du coup, ben, je vais voir sur Ipareo le site que nous avons avec la Chambre des métiers. Je sors mes cours par matière. Je les fais tous les matins, je fais de l'écrit. Et après, pour les cours pratiques, on a des vidéos Raphaël Paris qui nous sont mises en live à 10h30 pour les CAP et à 14h pour les brevets. Donc chaque vidéo a un thème différent, c'est-à-dire aujourd'hui c'est des gradés américains à la tondeuse. Ce matin c'était des tresses, différentes tresses avec différentes attaches. Donc chacun voit ce qu'il a envie de faire et comment il préfère le faire. Donc on a tout notre matériel qu'on a d'habitude à l'école, vu que c'est nos sacs qu'on les paye, c'est les nôtres, donc on peut s'entraîner également chez nous. Après, ensuite, au niveau ben, du moral, on n'a pas le choix, faut faire avec. C'est sûr que pour les cours, ce n'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on n'a pas nos profs qui sont là pour nous expliquer. On n'a pas. Si on a des questions, on peut toujours les joindre, mais c'est vachement plus difficile qu'en cours. En cours, on les a sur place, on peut leur poser des questions. Tandis que là, à la maison, au final, on ne sait pas trop. Il y a des questions qu'on se pose. Donc, nous, ça va. Nos profs sont quand même assez présents et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc, on peut leur poser les questions. Ils nous appellent, ils nous expliquent. Ils sont vraiment très compréhensifs, ce qui est vraiment pas mal. Après, moi, je gère comme ça mes cours. Après, je pense que tout le monde ne fait pas pareil. Donc voilà, tous les élèves que vous êtes, autant que moi, j'espère que vous arrivez à suivre vos cours. Puis toutes les coiffeuses, tous les coiffeurs qui sont dans le même état que moi, vous faites bien de la pratique, de la théorie. Puis beaucoup de courage à toute ma classe, à mes professeurs qui préparent nos cours avec beaucoup de difficultés. Et à tous les gens qui sont au CFA, qui travaillent dur et qui sont dans le même. Dans le même état que nous, avec les mêmes soucis que nous. Et un bon courage à tout le monde et merci à vous de m'avoir écouté. Bonne journée à vous et tenez bon pour la fin du confinement.